Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie du tutoriel de la pieuvre. Voilà, nous avons fait la tête. Comme promis, j'ai fait mon dernier rang de diminution de une maille serrée, une diminution après le premier rang, comme je vous ai expliqué. Maintenant, vous allez rembourrer votre tête pour faire une tête d'une pieuvre. Voilà. Vous allez prendre votre aiguille qui est ici et vous allez maintenant, cachez le fil. Vous n'allez pas fermer. Je vous explique pourquoi. On ne ferme pas. Je me suis trompée d'aiguille. Hein. J'ai pris la petite. Voilà, mais là, vraiment, c'est un doigt en bas. Hein. Désolée. Bon, mais je le ferai en bas. C'est pas grave. Le fil, vous le rangez, vous le cousez, vous voulez, même en dedans, pour que ça ne se voie pas. Voilà. Parce que ça, on va laisser ouvert. Parce qu'à la fin, nous allons faire une espèce de rond qu'on va coudre dans chaque coin, pour après avoir mis les tentacules. Je vous conseille, pour la tentacule, de faire vos 8 tentacules d'abord. Je vous montrerai comment la coudre, comment la faire. Et ensuite, normalement, bon là, j'aurais pas dû bourrer de suite, j'aurais dû attendre de faire les tentacules, parce qu'après les fils, vous pouvez tous les cacher à l'intérieur pour éviter que les enfants, comme celle-ci, voyez, celle-ci, on l'a, je l'ai, voilà, vous voyez, j'ai rangé les fils à l'intérieur avant de rembourrer, j'ai rembourré, j'ai mis mon petit rond pour, voyez, que j'ai cousu autour, et comme ça, l'enfant peut tirer, ça risque pas de se défaire, voyez, c'est cousu à l'intérieur, voilà, donc normalement, ça doit donner ceci, voilà. Donc, pour faire les tentacules, je vais vous montrer comment faire. Bon, je ne vais pas la finir parce que je ne compte pas mettre cette couleur que je vais changer. Je vais vous montrer comment faire les tentacules, hein, et je vous expliquerai à la fin comment la coudre. Voilà, hein, je vais coudre une pour vous montrer comment faire. Je vous dis à tout de suite pour la tentacule. Donc, me revoici. Alors, j'ai oublié, avant de faire les tentacules, nous allons procéder par les yeux et le nez. Les yeux, c'est 4 mailles serrées, pardon. Nous allons faire 4 mailles serrées dans un cercle magique. Voilà. Dans l'intérieur du cercle magique, vous allez mettre 4 mailles serrées pour les yeux. Une. 2, 3 et 4. Voilà. Et maintenant, vous allez serrer. Mais serrer, pas trop quand même que ça ne casse pas. Et vous allez fermer d'une maille coulée. Voilà. D'une maille coulée ici. Et vous avez fini votre premier œil. Ensuite, vous, par contre, vous laissez de la laine. C'est pas évident, cette laine très fine. Voilà. Vous allez faire une maille en l'air et vous allez couper ici à peu près, pas trop, hein. Gardez pas trop de fil, c'est pour coudre après sur la pieuvre. Hein. Voilà. Vous allez sortir le fil. On va couper celui-ci du départ qui nous a servi à faire l'œil. Voilà. Le premier œil de la pieuvre. Donc l'œil, vous pouvez le mettre où vous voulez. Hein. Attendez, où vous voulez. Attention, je dis où vous voulez. De ce côté, derrière, n'importe où. Voilà. Les deux yeux seront mis ici et ici. Et le nez au milieu, bien sûr. Hein. Voilà. Les yeux, ça, c'est fait. Nous allons faire le deuxième œil. Comme ça, au moins, ça sera préparé. Deuxième œil, pareil. Nous allons faire une cercle magique. Et on va mettre 4 mailles serrées à l'intérieur. Alors, je me suis perdu le fil. C'est des choses qui arrivent. Voilà. 4 mailles serrées à l'intérieur du sac magique. 2, 3 et 4. Et maintenant, vous allez serrer. Et vous allez maintenant, alors soit vous pouvez mettre des yeux sécurisés ou des yeux en laine ou au coton, comme vous le souhaitez. C'est vous qui décidez. Moi, j'ai pris plutôt en laine parce que pour les enfants, c'est mieux. Voilà, parce que les yeux sécurisés, ils mettent à la bouche, c'est pas agréable. Donc pour moi, ça sera en laine. Une maille en l'air. Et ici, j'ai oublié de couper. Coupez toujours votre fil
de départ. Gardez ici du fil pour coudre, comme je vous expliquais tout à l'heure sur la pieuvre. Voilà, votre deuxième œil est terminé. Maintenant, nous allons faire le nez. Le nez est pareil, sauf qu'au lieu de 4, vous allez mettre 6 mailles serrées. Donc, cercle magique. Voilà. Vous allez chercher le fil. Peut-être une maille. Voilà. Et en dedans, à l'intérieur de votre cercle magique, vous allez faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pourquoi? Parce que le nez, faut qu'il soit toujours plus gros que les yeux. Normal, hein? J'ai jamais vu un nez plus petit que l'œil, hein? Donc, n'oubliez pas toujours de couper votre fil de départ, parce que ça va vous gêner ensuite, par la suite, pour coudre sur la pieuvre. Voilà. Et là, vous allez fermer, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec une maille coulée, à la première maille de départ. Voilà. Une maille en l'air. Et pareil, vous allez garder un peu de fil pour pouvoir le coudre sur la pieuvre. Alors, les deux yeux, vous les mettez côte à côte, pas trop. Il faut quand même un espace, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Donc, si je conviens bien, on fait comme ça. On met... Alors, vous prenez des épingles. Des épingles, vous savez, les épingles, là, pour bloquer les yeux, pour pouvoir les coudre, pour ne pas vous tromper. Moi, j'appelle ça des épingles ou avec des boules de toutes les couleurs. Voilà. Les yeux doivent être comme ça. Et votre nez doit être à peu près ici. Alors, ce n'est pas évident avec le fil qui dépasse. On va essayer de voir ça. Voilà. Vous voyez? Voilà. À peu près, hein. Je dis à peu près. C'est vous qui voyez comment. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop loin, l'œil. Il ne faut pas non plus qu'il soit très loin. Il faut qu'il soit assez rapproché quand même. Et le nez au beau milieu. Voilà, ceci déjà est fait. Maintenant, nous allons commencer la tatacule. Donc, je vous retrouve de suite pour la tatacule. On va faire une petite pause. La vidéo est très longue. À de suite. Voilà, donc nous revenons pour les tatacules. Bon, pour les tatacules, vous faites 70 mailles en l'air. 70 mailles en l'air, c'est-à-dire une chaînette de 70 mailles. Je vous retrouve une fois que la chaînette sera faite. Donc, pour la chaînette... Vous n'oubliez pas que c'est le point de base, première maille. Et ensuite, vous montez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire cela jusqu'à pendant 70 mailles. À de suite. Voilà, maintenant que vous avez fait votre maille chaînette de 70 mailles, nous allons faire dans chaque maille, je dis bien dans chaque maille, vous allez faire... Ce qu'on appelle, alors là déjà on va faire 1, 2, 3, à la quatrième, on va perdre deux brides. On va faire 3 brides dans chaque maille tout le long de la maille chaînette. On s'arrête juste pour faire une maille coulée, garder du fil pour coudre la tatacule. Donc dans chaque maille, vous allez faire... ce qu'on appelle 3 brides dans chaque maille jusqu'au bout de votre maille chaînette. Dès que j'ai fini, je reviens vers vous pour vous montrer comment coudre la première tatacule. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, maintenant que vous avez fini votre premier tatacule, donc il vous en faut 8, entre 8 ou ça dépend... Combien vous pouvez en faire 7, 8, ça dépend où, combien vous pouvez en mettre. Vous allez ici, là, dans la première, vous allez sauter une maille et dans la deuxième, hop, vous mettez votre bout du de la tatacule. Vous allez tourner comme ça. On va le coudre d'une façon quand même propre. Voilà, hein. Regardez bien comment je fais. Voilà. Ensuite, vous allez coudre juste dans les 3 mailles où vous servez pour la première tentacule. La première et la deuxième, ici. Voilà. Ensuite, soit vous rentrez le fil à l'intérieur, vous allez le cacher et le sortir ici. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas le voir. Parce que moi, normalement,
J'aurais dû rentrer les fils avant de rembourrer. Mais quand vous faites une erreur, vous rentrez le fil dans le rembourrage, vous le ressortez à la tête, vous prenez le ciseau et à ras, vous coupez à ras. Regardez, vous ne le voyez pas. Vous n'avez rien à craindre. Voilà. Vous pouvez tirer, ça ne risque pas de sortir. Donc vous allez faire ceci. Pour vos sept autres tentacules, hein, vous allez coudre, saute, vous allez prendre ici, sauter une maille, aller dans la deuxième et mettre vos tentacules côte à côte. Et quand vous avez fini de faire ceci, on va faire ce qu'on appelle le tour pour tout coudre par-dessus. Mais moi, je ne vais pas le coudre parce que je vais faire les sept autres tentacules. Donc, vous pouvez en faire quatre comme ça, de cette couleur. Et quatre marrons. Voilà. Quatre oranges, quatre marrons que vous allez faire et coudre tout le tour. Ensuite, vous allez faire votre cercle. Donc, on va changer de couleur. On va prendre la marron, puisqu'on a fait la tête marron, donc il faut que le rond soit marron aussi. Donc, on va faire un cercle magique, excusez-moi, de 6 mailles serrées. Donc, vous allez faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Voilà. Vous allez faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Vous allez tirer votre fil. Vous allez le couper par ras, parce qu'après, quand vous allez le coudre, ben, le fil d'en dessous, vous allez le coudre à l'intérieur au lieu de l'extérieur. Donc, on ne le verra pas. Et vous allez fermer maintenant, vous allez faire une ondulation. Alors, on va fermer avec une maille coulée, bien sûr. Voilà. Voilà. Et là, vous allez faire une ondulation. Alors, vous allez continuer à prendre votre marqueur, ici pour marquer le premier rang. Vous allez faire une maille serrée, une ondulation, jusqu'à avoir la largeur désirée pour la coudre. D'accord? Alors, je vous montre une maille serrée, une ondulation. Bon, moi, je vais faire comme ça. Alors, attendez. La maille serrée est ici. Alors, comme le marqueur, moi, il me gêne, j'en ai pas besoin. Vous en avez peut-être besoin, mais moi, je fais au pif. Parce que regardez, il faut que votre cercle soit de la largeur de votre rond de la tête. Donc, nous allons faire ceci jusqu'à avoir la largeur désirée. D'accord? Donc, on fait une augmentation, une maille serrée. Une augmentation, une maille serrée jusqu'à avoir la largeur désirée. Donc, je vous dis à tout de suite pour le final. Voilà, maintenant vous avez fini de faire votre petit cercle. Vous allez prendre le fil quand vous aurez bien fini. Attention de bien mettre toutes les tentacules tout le tour. Cacher les fils comme je vous ai montré. Vous allez prendre votre petit cercle. Vous allez le mettre comme ça, là. Et tous vos tentacules qui vont dépasser ici. Vous voyez, tout le tour, vous allez coudre entre les deux, d'accord? Entre deux de chaque tentacule. Et après, vous allez faire un deuxième tour. Vous allez prendre ici une couture ici pour éviter justement que là, ça fasse un trou. Voilà, ça va vous donner ceci. Je vais vous montrer la finition. Ça vous donne ceci. Regardez, regardez bien. J'ai fait le cercle, j'ai cousu et vous pouvez y aller. C'est à l'intérieur, vous pouvez tirer, ça ne va pas s'échapper. Voilà. Et pour les yeux, comme je vous ai expliqué, vous les cousez et comme ça, à peu près, la même largeur et le nez au milieu. Voilà. Voici le tuto de la pieuvre. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça a été. Si ça ne va pas, ben vous venez me voir sur Facebook. Je vous expliquerai en détail comme j'ai fait
pour le reste des tutos que vous m'avez demandé, même pour les toiles à 10 branches. J'ai fait un live tout à l'heure, toutes les filles ont compris. Merci ma vice-présidente Gigi qui a fait les toiles à 10 branches, qui a réussi à la faire. Bravo, je te félicite. C'est vachement bien. Et bien voilà, maintenant le prochain tuto sera la licorne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!